c'est moi qui l'ai plié. Je sais pas ce que je vais en faire. Je... Il est taché de sang. Ouais. C'est le sang de qui? C'est le mien. Enfin, je crois que c'est le mien, ouais. Je sais pas. Je suis incapable de vous dire si c'est le mien ou pas, quoi. Ouais. Mais si ça vous dérange pas, on va le ranger parce que. Ouais, je vais juste faire un plan, ouais. Si ça te dérange pas. Je pense qu'on était à peu près à la moitié du concert et on entend des explosions et moi mon premier réflexe c'est de me dire que c'est un truc qui fait partie du spectacle. Là en fait je vois des gens tomber. Donc on s'est tous retrouvés couchés par terre. Je sentais que les gens essayaient d'avancer tout ça donc à un moment je me suis dit bah relève-toi et cours quoi. Et là j'ai senti l'impact sur le coude, ce qui m'a incité à me recoucher par terre. C'est là que j'ai vu en fait les trois, je sais pas comment le décrire, mais voilà, ils tiraient sur les gens d'une manière froide et j'ai cette image en fait très 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 marquée dans ma tête de ces gens qui tiraient, qui abattaient des gens qui étaient à terre. C'était sans arrêt, ça tirait, ça tirait, ça tirait, ça tirait. Et après, j'ai vu bah, la personne qui était en face de moi prendre une balle dans le dos. Moi, c'est le moment où je me suis dit, voilà, là, c'est fini. Enfin, il suffit que j'en prenne une, je ne sais pas dans quel sens il tire. Voilà, quoi. Issue de secours, et puis là, je vois plein de personnes allongées par terre, enfin, une espèce de cohue. Mais enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment moyen de sortir tellement c'était... Et puis moi, j'arrive à mettre les mains dehors, mais... pas encore le corps dans le truc, et j'entendais les mecs encore tirer derrière. Et là, il y a un mec, seul truc que je me souviens, c'est qu'il a une chemise rouge, c'est la seule chose dont je me souviens, qui m'a pris par les bras, qui m'a tiré en dehors de toutes ses forces, qui m'a tiré. Je sais qu'il a tiré d'autres personnes, ils étaient plusieurs, il y avait peut-être 3-4 personnes qui étaient à la sortie, qui sont restées à la sortie du Bataclan. Donc, et après, on nous a dit « courez, 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 courez ». Donc moi j'ai couru voilà, le plus loin possible pour aller me réfugier dans un immeuble quelques rues derrière quoi. J'ai eu de visu ce que fait un impact de balle, c'est un truc qui m'a beaucoup choqué. C'est d'une violence sur le corps extrêmement forte. Ça, c'est. Voilà, c'est. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce que des balles peuvent faire.